Gims, le célèbre chanteur et historien, a quelque chose à vous raconter. Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Et les historiens le savent. Oh, en parlant d'électricité, il fait tout noir. Oh mon Dieu! Le pharaon tout en camon! Est-ce lui qui a fait revenir le courant? Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais... Oh mon Dieu! Le dieu de l'électricité, Anubis, frère d'Enedis, est présent dans l'arène, mesdames et messieurs! Sont-ils là pour prouver que Maître Gims avait raison? Eh non! À peine arrivé, il casse la gueule au pauvre chanteur! Même pas besoin de quelques billets de sang pour que cela parte en giclée de sang, c'est terrible! Les deux Égyptiens attaquent sur ordre de Cléopâtre! Et attention, tout en camion, Anubis se prépare, et il porte la souplesse pyramidale! Mais que quelqu'un vienne l'aider! Claude François? J'étais même pas au courant qu'il était encore vivant. Mais il arrive sur le ring pour sauver Gims. Et un coup de pied dans le dieu d'électricité. En même temps, il doit lui en vouloir. C'est beau de voir Claude François sauver Gims. C'est normal qu'ils s'entendent bien. Ça fait des années que Claude François raconte qu'il y a de la lumière à Alexandrie. J'incarne l'énergie du Christ cosmique. Est-ce que je suis le grand monarque?